peine que je vous le dise encore, Homer, mais les habitants de Salt River sont tous très fiers de vous. Pourquoi ils sont fiers? N'importe quel homme qui a du sang dans les veines ferait ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est décidé à aller témoigner contre Jeff Sanders. J'ai pas peur, moi. J'étais là, j'ai tout vu. J'étais présent quand il l'a tué. Je vais entrer dans la salle du tribunal de Mesa Grande pour leur dire à tous ce qui s'est passé. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il n'a pas peur de Jeff Sanders. Dieu ait pitié de moi. J'ai l'impression, lieutenant, que les gens se moquent moins du vieux Tubbs et de ses éternelles histoires. Ouais. Ouais. Ils ont tous l'air de le prendre au sérieux maintenant. J'aime bien ces histoires. Je pourrais aller dans la diligence avec lui? Non, Rusty. Si on lui a accordé une escorte militaire, c'est que le voyage est dangereux. Quoi? Salut! Bonjour, Ratatin. Bonjour, gamin. Bonjour, monsieur Tubbs. Et tu viens avec le lieutenant Masters et les soldats pour m'accompagner? Non, monsieur, mais nous nous verrons à Mesa Grande. Ratatin et moi, il faut d'abord qu'on aille avec le caporal Boone faire une corvée. Tu pourrais venir après au tribunal. T'auras l'occasion de voir comment on rend la justice. Nous ne voulons pas manquer ça, monsieur Tubbs. Laissez-moi passer, place, s'il vous plaît. C'est un cadeau pour monsieur Homer Tubbs. Encore un? Eh ben alors, si ça continue, ma chambre va en être pleine. Et je pourrai plus étendre les bras pour mettre mes bretelles. Un homme là-bas qui m'a dit de vous donner ça. Oui. Bon, merci. Ah, y a un mot avec. Voyons. Je suis sûr que votre témoignage contre Jeff Sanders servira d'exemple de courage à tous. C'est gentil, hein? Oh! Hé, hey, ratatin! Qu'est-ce qui te prend? T'en vas pas? Prends-moi mon cadeau. Oh, mais qu'est-ce que ça? Qui vous a remis ce paquet, madame? Un homme que j'avais jamais vu. Et il m'a chargé de le donner et il est parti à cheval. Ah, oh, Tintin, si t'avais pas été là, il y aurait plus de témoins au tribunal. Oui, c'est pourquoi nous allons vous accompagner, monsieur Tubbs, pour que vous arriviez sain et sauf. Pour éviter la potence une fois de plus, Sanders vous laisse débarrasser d'un témoin gênant. Oui, mais il est tombé sur quelqu'un qui a pas peur de lui, n'est-ce pas, monsieur Tubbs? Racontez-nous l'histoire du faux docteur qui a essayé de tricher au jeu. Tu as entendu parler de cette affaire, c'est vrai, elle a fait du bruit. Ah, oui, c'est vous qui me l'avez raconté. J'aimerais l'entendre de votre bouche, monsieur Tubbs. Avec plaisir. Ça a commencé un soir d'orage à Dodge City. Mmh. Voyons, courez pas si vite, lieutenant. Attendez d'avoir entendu la fin, elle est formidable. Oui, vous me la raconterez à mes salons. Eh bien, si vous voulez, je vous raconterai ça là-bas. À condition que Sanders et ses hommes ne lui fassent pas plus de mal que leur dynamite. Bon voyage, lieutenant. Merci, Boone. Au revoir, Ratatin. Au revoir, gamin. Au revoir, monsieur Tubbs. Ratatin et moi, on tient à vous dire que vous êtes sûrement un des hommes les plus courageux du monde. Puisque tu parles de courage, fais-moi penser à te raconter quand j'étais dans les montagnes noires. La fois où je me suis trouvé tout seul, encerclé, oui, encerclé, sans armes, au milieu d'une redoutable bande d'ours grizzly. Et encore vu, oui, non, mais je me rends encerclé. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que même un ours, ça lui fait pas peur. De cette façon que je plaiderai, Jeff. Te donne pas tant de mal, Roscoe. Il n'y aura pas de jugement. C'est pas un vieux radoteur qui me fera passer une corde autour du cou. L'accusation n'est pas de cet avis. L'accusation, elle en a déjà eu des témoins. Oui, mais pour celui-là, elle prendra des précautions. Hein, qu'elle les prenne. Monsieur Tubbs n'a pas beaucoup de chance d'arriver à l'heure. J'ai envoyé Jacques Monté au-devant de lui. Filez.
Demi-tour. Nous sommes obligés de nous arrêter ici. Pied à terre. Monsieur Tubbs, ne restez pas dans la diligence. Oui, Rusty, en prenant ce raccourci, nous arriverons à Mesa Grande avant le lieutenant et la diligence. Ratata a entendu quelque chose. Qu'est-ce que c'est, mon vieux? Arrêtez-vous, ne faites pas de bruit. Des coups de feu. Ça vient du côté d'Apache Pass. C'est par là que doit passer la diligence pour Mesa Grande. En avant! Rusty, reste en arrière. Allons! Travail, Boone. Merci, lieutenant. Cette affaire nous a fait perdre beaucoup de monde. Vous et votre patrouille, vous allez vous joindre à nous. Oui, lieutenant. Qu'est-ce qu'on fait de Rusty? Eh bien, il va pouvoir monter dans la diligence avec Monsieur Tubbs. Oh, merci, lieutenant. Tu gamin, tu sais à quoi je pensais? Que si Sanders arrivait à s'en tirer encore cette fois-ci... Non, il s'en tirera pas, monsieur Tom. C'est pas possible avec vous pour témoigner contre lui. Mais s'il y arrivait tout de même, il finirait par être repris un de ces jours. Il y aura bien quelqu'un d'autre que moi pour témoigner contre lui. Ah, ça sera difficile de trouver un homme assez courageux pour faire ce que vous avez accepté de faire. Oui. Oui, tu as peut-être raison. Voilà enfin arrivé, Monsieur Tubbs. Vous êtes en sécurité. Rusty, tu vas rester ici avec Monsieur Tubbs jusqu'à ce que le shérif soit là. Je vais voir ce qui se passe dehors et placer des sentinelles. Oui, lieutenant. Viens avec moi, hein, Tintin. Ça a été un voyage plutôt dur, Monsieur Tubbs. Quoi? Voyage dur? Tu veux rire? J'aurais voulu que tu sois là quand j'ai fait à cheval le trajet de Tinwood à Tombstone. C'était une piste fatigante? Oh non, ça c'était rien, mon fils. Non, c'était ces diables d'Indiens. Ils étaient des centaines et ils n'avaient qu'une seule idée dans leur vilaine tête. Mes cheveux. Ça alors? Oui. Le shérif Wilson de Tucson, Monsieur Tubbs. Il est officiellement mandaté. Autant de le voir, caporal. Je suis capable de veiller sur ma personne moi-même, mais... J'en suis persuadé, Monsieur Tubbs. Il est plus prudent que je m'occupe de vous. Je prends en charge Monsieur Tubbs, caporal. C'est entendu, shérif. Si vous avez besoin de nous, nous sommes à côté. Bon, et ouvrez l'œil. Il faut s'attendre à tout avec cette bande de canailles. Oui, shérif. Hé, fiston, si t'es allé au ravitaillement, notre héros doit avoir faim. Tout de suite, shérif. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Tubbs? Excellente idée. J'ai une faim à dévorer un bœuf entier. Ça m'est déjà arrivé, croyez-moi. Je t'ai encore jamais raconté ça, gamin. Non, mais je serai heureux de l'entendre quand je reviendrai. Je n'ai pas honte de vous avouer, shérif, que je me sens rassuré avec vous ici. Ne vous réjouissez pas trop vite, grand-père. Pourquoi pointez-vous ce truc-là sur moi?
Je ne suis pas prisonnier. Si, vous l'êtes. Et moi, je suis pas le shérif, mon vieux. Alors, voyez-vous, c'est un signe. Et tous ces papiers officiels. Simple. Je les ai trouvés sur le corps du vrai shérif. Vous êtes un homme de Sanders. Oui, t'as deviné. Je vais te tenir compagnie, papa, pendant toute la durée du procès. Tu vas être bien sage. Tu vas témoigner en faveur de Sanders. Il y aura 6 pistolets dans la salle du tribunal qui écouteront ce que tu diras. En faveur de Sanders, c'est pas possible. Ce pistolet et les autres disent que c'est possible. Ils disent, mais... Vous êtes fou? Avez-vous réfléchi une minute? Si vous tirez, ça fera venir dans cette chambre tellement de soldats que vous vous croirez dans une caserne. Et tu n'oublies qu'une chose, papa. C'est que tu ne seras plus là pour le voir. Tout le monde a mis sa grande et compte sur moi pour témoigner. Nous, on compte sur toi pour te taire. Maintenant, je vais te faire une proposition. Il reste encore pas mal d'argent de cette affaire de la banque. Il y aura $3,000 qui t'attendront au Lens Bar demain soir. Vous avez dit $3,000. À toi de choisir. Demain soir, tu peux être un homme très riche ou un héros meurt à la barre des témoins. Silence! Je demande le plus grand silence. Faites approcher le témoin, monsieur Tiller. Voulez-vous faire venir monsieur Homer Tubbs à la barre? C'est à toi, mon bonhomme. Regarde bien autour de toi. Et tu comprendras ce qui est arrivé à ceux qui ont essayé de parler contre Sanders. Silence! Respectez la cour. Faites sortir ce chien de la salle. Mais votre honneur, si Ratatin aboie, c'est qu'il y a quelque chose qui va mal. Je vous prie de ne pas interrompre. Nous sommes dans un tribunal, jeune homme. La place de cet animal n'est pas ici. Mais votre honneur, Justy, tu ferais mieux de le faire attendre dehors. Bien, lieutenant. Je regrette, Ratatin, mais t'as entendu ce que le juge a dit. Jeff, de quelle façon voulez-vous que je traite ce témoin? On lui a déjà parlé, monsieur Roscoe. Voulez-vous dire votre nom à la cour? Homer Ulysse Tubbs. Junior. Monsieur Tubbs, étiez-vous à Mesa Grande l'année dernière, le 3 septembre, à 10 h du matin? Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Dites-moi, êtes-vous allé à la banque de Mesa Grande ce matin-là? Oui, en effet, j'y suis allé. Avez-vous été témoin d'un attentat? Oui, c'est exact. Je suis entré dans la banque et j'ai vu un homme qui pointait son pistolet sur l'employé et le caissier. Avez-vous vu cet homme tirer et tuer ses employés? Oui. Le criminel qui a tiré sur le caissier et l'employé portait-il un masque? Non, monsieur. Très bien, monsieur Tubbs. Dites-moi, est-ce que l'assassin est présent dans cette salle? Non, monsieur, il n'y a personne ici qui lui ressemble. Votre honneur, étant donné le manque de preuves contre mon client, je demande au tribunal de prononcer la relaxe. Est-ce que le procureur a d'autres témoins à faire entendre? Non, votre honneur. Il n'y a pas d'autres témoins. Alors, la question ne se pose pas. La cour prononce la relaxe pure et simple. Sorti. Vous êtes mis hors de cause définitivement, Jeff. Nous allons fêter ça. Venez, je vais vous offrir à boire. Vous savez,
à mes deux vieux amis. Dis, gamin, je t'avais promis de te raconter cette aventure avec les ours grizzlies là-bas, dans les montagnes noires. Je m'excuse, mais pour l'instant, j'ai pas envie d'entendre vos histoires, monsieur Thomas. Allez, viens, Rodin. Alors, vous êtes satisfait? J'ai fait ce que vous m'aviez dit. Tu toucheras ta paye, papa. Ça ne suffit pas, tu veux une médaille? C'était un homme courageux. Comment il a pu faire ça? Tu devais le savoir quand t'as aboyé dans la salle du tribunal. Un ratatin. Bonsoir, gamin. T'es pas au lit, hein? Non, non. Je vais aller me coucher. Il est l'heure, monsieur Tobbs. T'es le seul copain qui me reste. Oui, oui. Tu savais que quelque chose allait de travers au tribunal, pas vrai? Personne ne pouvait comprendre sauf toi. Qu'est-ce que je pouvais faire, mon vieux? Ces bandits qui me quittaient pas des yeux, prêts à me tirer dessus. Maintenant, ils m'attendent derrière le Landsbar. J'avais à choisir être un homme mort au banc des témoins. Ou aller là pour toucher la paye, comme ils disent. Mais bon, tu ferais mieux. Tu ferais mieux d'aller retrouver le gamin, vieux frère. Dis-lui que je regrette d'avoir été obligé de faire ça. Et dis-lui aussi que j'ai beaucoup de peine qu'on soit plus copains. Et... explique-lui tout ça, tu veux, Rintintin? Et ça pour moi, pour le vieux Tubbs. Rintintin, où t'étais passé? J'ai cherché partout après toi. Je suis sûr que t'as été retrouver monsieur Tobbs. T'as peut-être raison, Rintintin. Il voulait sans doute nous dire quelque chose quand j'ai pas voulu l'écouter. Mais t'aurais pas été vers lui s'il y avait quelque chose à lui reprocher. Il doit avoir certainement de gros ennuis, c'est plus que sûr. Et je serais pas un ami si je l'abandonnais maintenant. C'est ça, Rintintin? Conduis-moi vers monsieur Tobbs. Ça va, petit père? C'est bien ton compte? C'est parfait, monsieur Saunders. Haut les mains! Bien haut et sans armes! Espèce d'ignoble scorpion, vous avez fini de faire la loi! Mais qu'est-ce qui te prend, vieux fou? Arrête, assassin, ou personne n'aura la joie de te voir la corde au cou. Tu penses qu'on n'a pas été assez généreux? Oh, vous vous trompez! J'ai mille raisons de vous en vouloir, bande d'assassins et de voleurs que vous êtes. Mais je vous en veux surtout de m'avoir fait passer pour un lâche aux yeux de ce jeune garçon et de tous ces gens qui avaient confiance en moi. Parce que j'ai compris qu'un homme ne peut vivre sans l'estime des autres. Oui, oui. Je me demande où a bien pu passer Rusty. Nous l'avions laissé ici, rappelez-vous. Rintintin n'est pas là non plus. Allez, allez, en avant, vous allez marcher devant moi et vous prendrez la direction de la prison. Très bien, monte, occupe-toi de lui. Oh non, non, c'est pas un vieux singe comme moi qu'on peut bluffer. Ça va, héros, tu l'auras voulu. Qu'est-ce qu'on va en faire? Ne le descendez pas ici. Emmenez-le hors de la ville et que ça ait l'air d'un accident. C'est Rintintin, venez! Sortons de là, dépêchons-nous! Allons! Halte! Les mains en l'air! Tenez-les en respect, Boone. Oui, lieutenant. Laissez-vous les armer! Laisse, Rintintin, laisse!
shérif Wilson. Mais pas le shérif, c'est Jacques Monté, un des hommes de Sanders. Mais ce vieux fou est un menteur. Vous vous expliquerez avec le juge. Je ne tiens pas à être pendu pour ces deux-là. C'est bien Monté, c'est lui qui a attaqué la diligence. J'ai obéi aux ordres de Sanders. Mais qui a tué le shérif Wilson? C'est bien toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en dites, Tops? Nous allons avoir plus de témoins qu'il n'en faut maintenant. Tous prêts à se faire pendre les uns les autres. Pardonnez-moi si au tribunal, je n'ai pas tenu ma promesse, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour réparer le lieutenant. Et je suis arrivé à récupérer un peu de l'argent volé à la banque. Monsieur Tops est maintenant un vrai héros. Il a pris le bandit tout seul. Rantanta et moi, on était témoins. Tu dis moi tout seul, gamin? Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas été longtemps tout seul parce que... Parce qu'on a eu l'idée de venir à mon secours. Il faut tout de même pas oublier ça. Et puis un vrai héros, comme tu dis, ne doit pas aller raconter partout des exploits incroyables. J'ai raison, gamin? Vous avez raison, monsieur Tops.